Juste avant de démarrer, je tenais à vous préciser que les 60 à 90 prochaines secondes de cette vidéo sont sponsorisées par Panini Books. Ils m'ont contacté en cette fin d'année afin de vous présenter leur nouveau produit très très cool axé jeux vidéo, à savoir des livres de cuisine. Ils m'ont demandé de mettre l'accent sur 4 livres en particulier qui sont des livres de jeux vidéo, à savoir un livre de cuisine Overwatch, donc ça c'est très très cool, mais également un livre de cuisine The Elder Scrolls, quelque chose de très sympa encore une fois, un livre un peu plus petit cette fois-ci concernant Hearthstone, et enfin un livre concernant l'un de mes premiers amours de jeux vidéo, à savoir World of Warcraft. À travers les différents livres, vous allez retrouver plein de recettes de l'univers des différents jeux et ça va vous permettre comme ça de pouvoir les refaire à la maison. Donc c'est une bonne idée de cadeau de Noël. Franchement, le livre est de très très bonne qualité. Tous les livres sont hyper bien finis. En termes de finition, je trouve ça très propre. Les images sont très bien faites, les photos sont très bien faites. Il y a différentes catégories. C'est vraiment quelque chose de qualité. On est sur un beau produit et j'avais envie, eh bien, de vous montrer un petit peu mon petit coup de cœur que je vais essayer de refaire à la maison, et c'est le pain au seigle des prés. Voilà, donc c'est un niveau 4, donc c'est plutôt bien, parce que si vous n'êtes pas adepte de la cuisine comme moi, si vous n'êtes pas un énorme cuisinier, eh bien vous avez toute la description, ça vous indique un petit peu le niveau de difficulté, le temps de cuisson. Bref, si vous avez envie de faire plaisir à votre famille pour les fêtes de fin d'année, eh bien faites-leur la surprise, pourquoi pas offrez-leur ce livre, ou même pourquoi pas préparez-leur une des recettes qu'il y a dans un de ces livres. Bon là, bien sûr, je vous ai présenté la gamme jeux vidéo, mais ils n'ont pas que ça, puisqu'ils m'ont envoyé aussi rapidement, je vous les montre, le livre concernant les recettes du film Le Parrain, et également des livres de la WWE. Vous aurez de toute façon tous les liens en description. Je les remercie beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo, j'espère que ça pourra intéresser certains d'entre vous. Et maintenant, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Bonjour. Comment ça va? Alors, attends. Voilà. Coucou. Ah, c'était pas relancé, toi? Pardon. Mais en fait, ça prend un petit peu de temps de temps en temps. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Je grimpe directement pour me faire le, pour finir de ouais. Faire l'arbre. Bon. Moi, je vais essayer de me mettre full stuff. Ça, ouais. Ça sera fait. Comme ça, ensuite, on bouge la salle des coffres. On a encore des livres quelque part. Ah, je tombais, merde. Ah non, il y a 8 livres là. Bonjour, aventurier. Mec, genre vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la trahison dans l'air, de l'alliance, de... Ah oui, bah ça on l'avait compris. Merci de nous le confirmer d'ailleurs, on n'était pas sûr, merci de nous le confirmer. Mais c'est bête parce que les 20 c'était pas fait pour vous alors que vous étiez en premier dans le Nether et là voilà. Comment ça les 20 étaient pas faits pour nous? Ah la malédiction vous a un peu tombé. Ah c'est beau, ah, c'est vrai que vous avez l'arbre à faire, c'est vrai, c'est oui. C'est très beau. Magnifique. Mais attendez, comment ça les 20 n'étaient pas pour nous, c'était pour remettre en selle les autres? Ah bah écoutez, c'était pour remettre en selle un petit peu les autres, donc c'est pour ça une petite malédiction, bien pour sûr. Rééquilibrer, ouais. Bien sûr. Et du et coup, voilà, en tout cas merci de nous avoir confirmé qu'ils étaient en alliance contre nous. Ah non, moi j'écoutais vos trucs parce que je ne suis pas du tout au courant, ça fait un épisode que je suis en train de faire ma putain de grotte. Ah ouais, bon, je suis pas du tout, au courant, non, je vous jure, vraiment parole de Dieu honnête et Dieu gentil que je suis jusqu'à maintenant, hein, ouais, s'il vous plaît, bien sûr. Monsieur Sifano. Oui, mais bien sûr. Mais voilà. Très bien, non mais c'est juste que déjà, tu as failli me tuer en fight juste avant déjà, donc t'as pas vu mais... Avec la TNT. Mais en fait, au moment où tu me mets la... Je te jure, attends, au moment où tu me mets la TNT... Neutron me dit, y'a Frigiel. Je fais, ouais, je suis mid-life. Ouais, non, en fait, genre vraiment. Frigiel, il aurait tourné sur moi, il m'aurait terminé. Je suis en mode, non. Quel dommage. Mec. Faut bien mourir une fois. Non. Autre que par son mate, n'est-ce pas? Attention à toi. Bon, attendez-vous peut-être à bientôt une énigme qui pourra peut-être vous donner des avantages. Très bien, merci bien. Au revoir. Ça marche. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de notre arbre vu de loin? Parce que je me rends pas compte, moi, je suis dedans là. Vu de loin. Ça va, le feuillage et tout? Tu dirais oui? Il en manque un peu, mais ouais, ça va. Ah non, mais j'ai vraiment fait un espèce d'arbre mort, un peu, tu vois, en fait. Ouais, je vois. En fait, t'as mis beaucoup de feuillage au-dessus des branches, mais après, sinon, oui, ça va. Et pas en dessous, c'est ça que tu veux dire, peut-être? Ouais, c'est ça. Je peux essayer d'aller voir un peu, mais bon. Est-ce qu'on déplacerait pas les coffres, Jérémy? Oui. Mineur, on est déjà jour 7, hein. On est là et tout, mais en vrai... Je peux me faire mon... Ouais, c'est bon, j'ai un P3 sur mon torse, c'est tout ce que je pourrais faire pour. Et je suis full P2 sinon. Toujours. Full P2, tu pourras pas faire full P3, tu penses? Pas pour l'instant, j'ai pas assez de level. J'ai 8 niveaux encore. Hein, et j'ai pas assez de livres non plus. J'ai plus de livres P en fait. Ok. Ah, il faudra qu'on referme notre base, hein. ça m'inquiète. Enfin, par en bas là, la grotte, ça m'inquiète cette histoire. Yep. On va. De toute façon, là, on va juste au moins essayer de gérer toute la base histoire de. Oui, parce que d'ailleurs, là c'est pas totalement validé. Oh!
Ah ouais, effectivement, ce côté-là est pas ouf. Ah, il est... ah bah tu vois, en fait, mon arbre, il était mieux sans feuilles, j'ai l'impression. Je sais pas, attends, attends, il faut que je le voie, il faut que je le voie avec un peu plus de feuilles, parce que... Mais on va voir. En fait, ça dépend des côtés. Vas-y, vas-y, je t'occupe pas de moi, continue de te... Vas-y. Du coup, je vais déplacer les coffres. Allez. Ah non, il est pas mal, en mode arbre mort, il est bien, moi j'aime bien. Non mais c'est je trouve il passe bien, je trouve il passe bien en arbre mort. J'ai pris, tu vois, j'ai pas juste fait un bête arbre, genre tout droit, tu sais, un arbre qui ressemble à un arbre de Minecraft en fait. J'ai vraiment fait un, j'ai vraiment mis l'effort dedans et tout. Non, moi j'ai envie de te dire, il est valide. Hein. Et bah alors, on le valide alors. Il est assez grand, enfin non, ça va, il est bien. Hop, alors. Hop, hop, hop. Alors attends, je casse ça. Je range tout, tac tac okay, tac. Voilà, je suis en train de tout déplacer ici. Vas-y, 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 fais. Bon, la muraille, du coup, tu vois, c'est fou. Au final, on a jamais le temps de faire. Je voulais faire une muraille et tout, mais finalement, est-ce que j'aurai le temps? Ah, ceci dit, attends, là j'ai pas mal de cobble, tout ça. T'es en train de déplacer un peu les trucs, mais dis, attends, je prends ce qui peut m'être utile. Yep. Et après, je te dirai aussi comment on fonctionne. La... Oui, ça, oui, effectivement. Histoire que tu puisses l'ouvrir, quoi. Effectivement, alors attends, je termine vite fait. Ça serait bête que tu puisses pas l'ouvrir. Effectivement, oui. Bah après ça marche exactement comme dans la vidéo que je t'avais montré. Hein. Ouais, alors attends, je vais aller regarder ça. Déjà, vas-y, continue de déplacer les coffres, je termine la muraille. En vrai, l'arbre est fait. Donc là, maintenant, il faut qu'on bourrine la muraille, qu'on se stuff, qu'on fasse des popos. Mina, je sais pas si à un moment donné, tu voudras qu'on fasse des popos. Ah bah oui, quand même. Il faudra qu'on les fasse, très clairement. Qu'est-ce qu'elle veut, l'araignée, là? J'ai posé mon arc, comme un cache. Ok. Ok. Voilà, je suis en train, tranquillou, de faire okay. Ça. Je suis full. Hop. Je pense que vraiment, tu sais, mon idée de l'eau là. Ouais. Je pense que vraiment il va falloir le faire parce que si vraiment ils sont en alliance sur nous, il suffit qu'ils arrivent tout. Genre une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, ils nous doublent TNT en même temps. On sera un peu en mode merde, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Alors que s'il y a l'eau, ouais. Déjà ça va un peu plus les ralentir. Totalement. Vas-y, du coup je te laisse faire ça. Après, il y a un risque effectivement que du style on assaut quelqu'un, une autre équipe nous assaut, tu vois. Donc, C'est ça. Ça aussi, ça il faut faire attention. Ça, c'est le risque. Ça c'est une enclume, je vais pas la. Oh. Écoute, en vrai, on avait eu masse bloc avec, avec ce qu'on a trouvé là. J'ai la nether brick c'est hyper solide en plus. Donc c'est plutôt cool. Tu déplaces la salle là du coup, ça? Ouais, je suis en train de déplacer les coups. Nice. Parfait. Bon, avant, on s'affole un peu juste parce que là, on se dit on va voir ce que vont faire les autres. Mais en vrai, notre base est pas mal. Notre arbre est plutôt. Moi, je trouve que notre arbre est pas mal. On est vachement plus avancé. Hein. Bah, disons en fait, par rapport au stuff que eux ont, oui, je pense que ça, oui. Effectivement, yep. Je pense que là-dessus, on est bon. Ça, et puis même par rapport à la dernière fois. Parce que bah, c'est le Nether, en fait, tout simplement. Ouais. J'aimerais bien me mettre limite full P4, ça va faire beaucoup après. Enfin, ça va faire beaucoup, ça dépend. S'ils sont plusieurs, on va pas faire beaucoup, mais. Ok, alors pour l'eau, par contre. Ah ouais, putain, il faut que je répare ici. Il faut que j'aille prendre de la lave pour réparer les conneries, là. Je vais aller prendre la lave. Je suis trompé de sens. Je vais aller prendre la lave, il faut que je descende. Y'a de la lave en bas. Ah vas-y, montre-moi la salle, je suis là. Je sais pas où c'est, mais vas-y, je descends, je crois que j'ai trouvé ta salle. Ok, je suis là. Voilà, c'est là. Donc là, pour l'instant... Alors attends, faudra camoufler, tu vois, là, c'est de la cobblestone. Hein. Non, mais j'ai fait cure de la scène pour ça, mais pour l'instant, okay. Voilà. Donc là, la salle, elle est fermée, ok. Donc attends, donc on peut imaginer que là, il y aura des trucs, en gros. Oui, ici, ça sera fermé. Donc, okay. Ici, donc, on peut pas y aller. La salle est fermée, là, ouais. Il suffit juste de tourner deux crans le stick, vas-y. Tourne le stick de deux crans. Voilà, yes, hop, okay. La porte s'ouvre. Et ensuite, retourne le quand tu vas ressortir, tu vas devoir refermer la porte. Donc tu tournes le stick. Vas-y, tourne le stick d'un cran, ça suffira. Paf. Et après. Et ensuite, il faut que tu le reset. Du coup, tu peux aller. Voilà, là, il est reset. Du coup, t'as entendu le piston là qui s'est revu. En vrai, c'est cool. Après, je me dis, s'ils comprennent le délire, ils font juste tourner tous les trucs et ils trouvent la salle. Oui. Mais après, c'est pour ça qu'on va faire beaucoup de items. Ah oui, bien sûr, non, bien sûr. Avec des pistons. Et en même temps, on va essayer de faire d'autres salles des coffres, entre guillemets. M'entendez-vous, aventurier? Oui. J'ai une énigme à vous énoncer. Ça va pas, papy? Oui. Je commence à être un peu fatigué. Dites-nous tout. Je vous attends devant votre bannière, bien évidemment. Ah, nous arrivons. Vas-y, hop, branche ça vite fait. Tac. Nous arrivons, vas-y, on arrive. Comment on sort de la peur là? Papy, où es-tu? Je suis en fou rire, c'est pas croyable. Oui, je suis là. Papy, salut.
Dis-nous tout. Je contiens du sucre sans être sucré. Qui suis-je ? On a plusieurs propositions ? Ah, vous avez qu'une réponse à donner. Une seule réponse est bonne. Du sucre sans être sucré ? What the fuck ? C'est possible. Je sais d'avance que je l'aurais pas. Non, vraiment. Ça, Je peux vous dire que les deux autres équipes ont trouvé rapidement. Bah, très bien, du sucre sans. Ils ont le talent culinaire, quoi. Je contiens du sucre sans être sucré. Que suis-je ? Je suis pas une casserole. Tous les coups, c'est un truc comme ça, on change un aliment. Et c'est une... Je contiens du sucre sans être sucré. Un fruit, c'est sucré, mais c'est du sucre. Enfin, je contiens du sucre sans être sucré. Non, bah écoute, GG aux autres équipes, moi, elle me vient pas. Monsieur Neutron Star, une réponse ? Je sais pas du tout non plus, mais... Mais donnez quand même une réponse, essayez. L'idée du fruit était plutôt pas mal, en fait. Mais après, il y a l'idée du fruit. Mais dans le fruit, il y a du sucre de base, hein. Oui. Du coup, il est sucré. Mais non, ils sont pas... Je contiens du sucre sans être sucré, je contiens. Bah ouais, une casserole, un récipient, ouais. Oui, c'était le sucrier. En effet, ouais. Malheureusement. Écoute-moi bien. Non seulement je l'aurais pas trouvé, mais en plus, j'ai pas de honte à l'avouer, à 27 ans, c'est la première fois que j'entends ce mot. Un sucrier ? J'ai jamais entendu parler de sucrier, non. J'ai déjà entendu ce mot, mais c'est vrai que c'est pas le truc. Bah, je n'ai pas de sucrier chez moi, désolé, j'ai un pot à sucre, je n'ai pas un sucrier. Moi j'ai un sucrier. Écoute-moi, j'ai des chocolatines chez moi, voilà, t'as quoi toi ? Ah bah moi j'ai des pains au chocolat. Et ben voilà. Allez, là, au revoir. Mais donc techniquement on était bon. Attends, j'ai dit un récipient à sucre, ça le vaut au moins. T'as dit un récipient, s'il te plaît. Ouais, bah, un truc qui contient du sucre, un sucrier, c'est quoi ? On a au moins droit à un quart de la récompense. Un quart. Je peux pas donner un quart de la récompense, donc c'est pas possible. Ouais, je suis désolé, je négocie, mais vraiment. Bah alors dis-nous ce que c'était la récompense. Haha, adieu. Putain, me saoule. Mec, il me saoule, Ah, franchement, là, il nous détruit notre base. On parie quoi qu'on serait dans la merde, il nous l'aurait accordé. 100%. Sauf que vu qu'on est bien. Totalement, je suis sûr. Ce juge n'est pas impartial. Je sais qu'il nous entend encore, je suis sûr qu'il nous entend encore. 100%. Bon, du coup, alors attends, comment est-ce que je vais faire ça ? On l'aurait pas trouvé, c'est pas possible. Bah, en vrai, on aurait pu trouver, c'est vrai. Moi, le sucrier, moi, c'est ma grand-mère qui dit. 10 ans que je l'ai pas vu. Pour vous prouver ma bonne foi, je rebouche le trou que j'ai. Fais moi-même. Ah, ça vous va ? Je suis en train de le faire. Ah bah non, si tu le fais, vas-y. Parce que je suis gentil et que vous le méritez. Ah merci. Parce que vous êtes des bons joueurs qui gagnaient des événements. Merci Dieu, merci beaucoup. T'es gentil. Finalement, je pense pas ce que j'ai dit sur toi. T'es vraiment le gros. Ouais. Attention. Tiens, vas-y, Neutron. J'ai pris une partie du truc. Je te laisse prendre la suite. Voilà. Merci. À plus tard. Et ne râlez plus pour la prochaine. Non, je ne râlerai plus. Même si ceci dit, tu as vu, Neutron, râler. On se fait entendre qu'on râle. Totalement. Finalement. Faut continuer. Non, après, il va nous dégager. J'ai 28 flèches ici, donc j'ai mon power 2 flame 1. Je pourrais avoir un power 3 flame 1, ce serait pas mal. J'ai la stone qui est là, je te la mets ici. Il n'y a plus rien en principe en haut. Il n'y a plus rien en haut, ok, trop bien. GG en tout cas la salle des coffres, vraiment. Elle est très 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 cool. Je vais faire les TNT déjà, pour voir ce qu'on a en TNT. Alors, aussi, est-ce qu'on a encore de la cobble là ? De la cobble. Ah non, j'ai tout posé, je crois, en cobble. Ok. Parce qu'il va falloir qu'on... Ah si, je vais commencer aussi à faire des droppers. Pour qu'on puisse commencer à les mettre aussi. Ok, il va falloir qu'on fasse la muraille aussi. Et attends, là, on a 9 droppers. On a 6 TNT que je vais mettre là. Ah, j'en fais 10. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Moi, il me faudrait des niveaux. Il y a des trucs à cuire ou pas ? Ah, il n'y a rien à faire cuire. Est-ce que on ferait pas des popos ? Ah, on a de la nether brick ici. Attends, je vais la prendre. Il faut commencer à faire les popos. Hop. Mais en fait, on a pas mal de choses. C'est ça pour l'instant. Les popos, parce que les popos, on sait qu'au final, ça prend du temps. Nether brick ici, birchwood ici. Je prends vraiment le maximum. Elle est où mon item frame ? Là. Je sais pas. Elle a sauté, je sais pas où. Ah, c'est génial. Si ça saute, on est dans la merde. En fait, je l'ai enlevé. Et je l'ai pas sur moi. Peut-être que c'est moi qui l'ai loot, non? Je sais pas, je l'ai pas sur moi. Je l'ai peut-être posé sans faire gaffe que c'était ça, mais attention, ils se font les popos en face. Je viens juste de le casser. T'as vu? Attends, je veux pas. Ils se font les popos, on les a pas encore, nous. Là, ça veut dire qu'ils les ont. Ouais, bah nous, il faut qu'on commence à les faire. Ouais, faut qu'on commence à faire. Mais moi, je suis sur la muraille là pour l'instant. Vas-y. Donc, c'est vraiment comme tu le. Tac. Comme tu le sens à partir de là.
Hop, alors, j'ai juste refait l'item frame, voilà, tac, et je rebouche, comme ça, c'est plus propre là. Très bien. Voilà, c'est full stone, il n'y a plus de moyen de savoir que c'est ici. Ok. Hop. En vrai, moi je dis elle se tente cette salle des coffres, après je te cache pas que j'ai un peu peur du... Il suffit qu'ils tombent du premier coup sur ça, soit ils mettent une TNT, soit ils tournent un peu et ça leur ouvre. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait super bas. Je pense pas qu'ils vont mettre de la TNT jusqu'en bas. Tu sais. Je sais pas, on verra bien, de toute façon, on verra bien. Maintenant, elle est faite, écoute, elle est stylée, donc on a jamais eu ça dans un FK, donc c'est très bien. Mais voilà quoi, c'est juste, je suis en mode, on verra. Ouais, non, mais totalement. Faut pas s'inquiéter. On va y arriver. Hop. Tac. Ah merde, c'est de l'obsis, ça. Bon, ça change. Je suis en train de faire cuire du. S'appelle du sable. Ok, vas-y. Pour faire quoi? Pour des popos. Ouais, ok, tu fais les popos. Très bien. Attaque. Hop. Voilà. Moi, je suis en train d'essayer de faire un truc avec de l'eau. On va voir. Je sais pas du tout si ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Donc, on va voir. Mais au moins, cette muraille aura le mérite d'être un petit peu différente. Voyez-vous. Yep. On va falloir que j'aille chercher un petit peu plus de choses. Je vais faire les 6 popos de force, des potions de poison aussi. Tu sais que là on a encore de la cana, hein, donc si t'as besoin. Si t'as besoin, on est bien. De la cana, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai là-dedans? Ouais, j'en ai donc, pour l'instant ça va. Ok. Hop, oula, du coup, il faudrait. Ah ouais. Oula, il y a des lags. Ah ouais, j'en ai eu. J'en ai c'est eu. Quelqu'un qui allait dans le laser, je pense. Okay. Alors, il faudrait aussi de la gunpowder ensuite. Ah bah j'en ai fait. Ah, il en reste deux, je crois. Dans les coffres, parce que j'ai fait de la TNT ensuite. Ah ouais, je sais, mais non, il en. Très bien. Il en reste qu'un, mais c'est pas grave, déjà je pourrais faire 3 popos de force. Mec, c'est fou comme. De force, de. Comme au final. Ouais, non, pas de force, de quoi tu veux faire? De poison, de poison. Okay, ouais. C'est fou comme au final, on est. Tu vois, on va être très très juste en termes de temps si jamais on veut assaut épisode 9, tu vois. J'avoue. C'est fou comme à chaque fois un FK quoi. Mais malgré tout on est déjà beaucoup mieux préparé que les dernières, je pense. Oui bien sûr, mais bon si vraiment ils nous prennent à 4, s'ils ont des popos, ils peuvent nous battre. Hein. Après oui c'est sûr que l'histoire de l'alliance ça peut nous mettre mal. C'est pour ça, de toute façon épisode 9 ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre un petit peu. On va attendre un peu je suis d'accord avec toi, il faut voir un peu comment ça bouge, il faut... Local Brewery, ouais. Ok ça c'est toi. Ouais. On va attendre un peu histoire de voir s'ils nous assaut ou pas. Et si c'est le cas, bah on se défend. On se défend, mais je pense que. Après, ça dépend en fait de leur stuff, c'est ça le truc. Ouais, faut voir. Malgré tout, ils ont dû faire un petit peu comme nous après, en tout cas. Ils ont pas du tout sorti leur stuff également. Non, pour moi non, c'est clair. Donc, du coup, faut voir. Ouais, mais je pense que si on les attend avec des potions de poison et puis des potions de force, on a largement de faire du 2v4. Hein. Je pense. Littéralement, pour moi on a largement le coup de faire du 2v4. Alors bonjour aventurier. Bonjour monsieur. Je vous propose jusqu'à 15 minutes de l'épisode prochain un petit objectif de build, donc un hôtel, une offrande, je ne sais, ce qu'il vous fera plaisir sur la petite plateforme qui se trouve juste devant votre base, donc à l'effigie bien sûr de votre dieu. Sinon, si c'est mal fait ou si ça me plaît pas content, sinon récompense, bien évidemment. Et si on le fait pas? Voilà. Et si on le fait pas, pas content. Très bien. Après, j'ai pas demandé de faire une statue immense. Hein. Non, bien sûr. Je serai conciliant sur le temps imparti, bien sûr. Et voilà. Nous prendre un. Oui. Ah non, on est 1.8, on peut pas. Un stand, enfin, tu sais, un arborst. Ah, vous faites ce que vous voulez. C'est juste. Je jugerai l'originalité, oui. L'implication et l'offrande qu'il y aura. Donc voilà. À vous de jouer, chers aventuriers. Très bien. Merci. Mais en 1.8, on a des armor stand. Hein. On a des armor stand en 1.8. Ah ouais. Oui, c'est sorti en 1.8. Ok, alors je dis une connerie. Mais on n'a pas d'armor stand avec des bras par contre, c'est juste. Ah oui, c'est ça, exact, voilà, c'est ouais. Ça, ok. Hop, il y a plein de mobs dehors. Donc écoute, je suis en train de tenter le truc de l'eau, je sais pas si ça va nous mettre bien ou pas, mais écoute, on va tenter et puis on verra bien. Alors, j'ai fait les 3 potions de poison en splash, du coup. Attends, je suis en train de penser à un truc. On est d'accord, ouais, on s'est fait piller. Oui, c'est sûr. On est d'accord, là, ce qu'il vient de faire, il a mis la plateforme, je la vois, la plateforme, elle est devant notre base. On est d'accord qu'on va tous avoir l'event.
Est-ce que tu penses à ce que je... Bah cet event là de build, on va tous l'avoir, toutes les équipes. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Non. Bah aller dans les autres bases et pendant qu'ils construisent, leur tomber dessus. Ah, je vois, je vois. Why not, en vrai. Mais attends, je termine les potions de poison et... les potions de speed et on y va. Vas-y, 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 vas-y. On se fait un petit tour, on regarde. Tac. Ah, est-ce, comme que, ça on, est-ce qu'ils ont autant de le faire? Ouais, on se met du speed. Tu les rallonges du coup? Oui, oui, bien sûr. Speed okay. Et j'ai des potions de force déjà. J'ai les potions de poison de fée et puis là je suis en train de potions de speed et ça ira pour l'instant. Ok, très très bien. On en aura 3 de chaque. Après, pour ben, jour 8, on fera les autres. Ça suffira. Sure, monsieur, 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 monsieur. Tac, allez, je dépose tout. Tac, tac. Ça. Est-ce que tu peux me ramener un seau vide, s'il te plaît? Oui, je crois qu'il y en avait un dans un. Là. C'est pour ça. Merde, je suis tombé dans un truc. C'est pour ça, si tu peux juste me ramener un seau vide. Juste... Ouais. Alors après, ceci dit, si on fait pas le truc, le dieu va pas être content. Mais on a quasiment 20 minutes, donc en vrai, ça peut, on peut se laisser tenter. Totalement. Voilà, c'est bon. Alors, non, j'ai pas posé. Tac, tac, et tac. Là, j'ai pas tout posé. Là, j'ai tout posé. C'est bon, j'arrive. Ok. Non, j'ai pas tout. Vas-y, reviens. Ouais, et en fait, il y a plus de bouffe, c'est ça? Ah si, là. Si, si, puis il y a plein de vaches dehors et tout. Okay. On va se laisser. Écoute, la muraille modifiée prend forme, cher ami. Il me faut juste ton truc. Et attends, parce que moi, il faut que je laisse des trucs en bas quand même. Je viens de voir. Je suis désolé. Je suis en train d'en monter. Bah, attends, moi, je redescends. Il faut que je laisse des trucs. Je laisse des trucs, mais t'inquiète, j'en ai pour 2 minutes. Du coup, on se retrouve, les amis, la prochaine fois. Portez-vous bien. Et puis, Ouais. Et puis, bye bye. À bientôt. Au revoir.